Eh bien, bonjour! Bienvenue dans la confrérie des Broquignoles, on est de retour pour un petit live avec plusieurs choses aujourd'hui. Bon, c'est pas un gros voilà, événement. Ah, et on a quand même redécoré la carte pour l'événement. Hein. Oui. Donc, mise à jour de Seven Deadly Sins, nous sommes mardi. Donc, petite vidéo pour un perso, pour les petits contenus qu'il y a. Et comme vous pouvez ne pas le louper du tout, c'est décoré pour la Saint-Valentin. Car on est le 14 février. Ah, pour info, c'est l'anniversaire de Ban. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous lui offrez un petit cadeau. Et hop, 5000 points d'affection avec lui. 250 parce que j'ai un truc qui augmente. Mais 5000 points. C'est parce que c'est un lover. Ça, si vous jouiez avec sur le niveau, bah, ça vous ferait utiliser 5000 d'endus. Donc c'est pas mal, un petit cadeau. Et hop, c'est fait. Bon, les 5000 d'endus, pff, faut quand même farmer à un moment. Ouais, ouais, bah, là c'est 5000 d'endus cadeau, quoi. Donc voilà. Alors, mise à jour, qu'est-ce qu'on a? On a un perso à poulet, qui est le King Nounours spécial Saint-Valentin, avec un nounours en guimauve, très moche. Enfin non, il est mignon en fait. Par contre, son habit, on dirait un petit garçon, il va... genre Hansel et Gretel, là, tu vois. Il va aller lécher une sucette. Oh, dis. Ensuite, on fait ce petit pool, on voit sa compétence et sa petite mission de déblocage. J'espère qu'on n'attaquera pas des bêtes loups. En fait, tu pouvais rester dessus, je ne sais pas vraiment. Oh bah, je me dis. Ensuite, on vous fera un petit passage sur le boss Hawk. Car il y a un petit boss Hawk, un boss final Hawk à faire. C'est dans le titre. Oh bah, pour ceux qui prennent juste comme ça en cours et qui n'ont pas encore cliqué sur le titre, les conseils sont. Et puis, on finira sur l'aventure de Merlin au pays des merveilles. Allez, let's go, c'est parti. On va déjà repasser en revue. Si vous avez fait le prévu du la jab, bah vous connaissez. Mais bon, là, on va le faire en français. Qu'est-ce qu'il a de beau? On va commencer par les attaques, tu vois. Pour une fois. Donc, un empoisonnement sur un ennemi. Voilà, pas foufou. Du coup, sa relique n'entre pas en compte. Vu qu'il doit faire... Salut, Bibouche 22. Du coup, vu qu'il doit faire une attaque multi pour infliger l'effet de sa relique, bah ça marche pas. Un effet de faiblesse sur tout le monde. Bon, là, du coup, il infligera l'effet de malus. Mais il faudrait déjà qu'il y en ait un. Donc, à moins de le jouer avec les lanes bleues, qui met un malus de base. Si une fée attaque, ben, là, ça marche. Hein, il fait très mal, mais sinon, c'est pas fou. Et alors, la même ultime que le nounours de anniversaire, ou spécial, là, en grosse étoile. Attaque sur tout le monde et abyss, plus un petit buff de résistance sur lui, pour essayer de pas se faire tuer. Et bien sûr, ce qui fait tout. Les compétences. Pour chaque allié du clan des fées en combat, les stats offensives sont augmentées de 10% ainsi que ses dégâts. Et pour chaque allié des Seven Deadly Sins, mais qui sont puissance, PV ou vitesse, donc déjà pas les ténèbres ni les lumières, hop, on enlève les nouveaux Escanor et les Meliodas, ténèbres, il augmente les dégâts de 30% s'il y a un malus. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Il augmente pardon, de 8% les stats de base, donc des alliés concernés, excusez-moi. Et ensuite, il augmente de 30% ses dégâts s'il y a un malus. Si vous commencez avec la petite Elaine, bah, il fait 30% de dégâts en plus avec sa faiblesse. Pourquoi pas? Mais après, qu'est-ce que tu mets avec? Un goûteur pour booster, oui, comme d'hab. Oh, je t'avoue que les squish. C'est pas un petit verre, hein, il va se faire défoncer, quoi. Avec le goûteur vert, ouais, si vous tombez sur la, bah, si vous tombez sur la vieille team d'Arthur, Ban et Reinhard au premier tour, il n'y a plus de ah, ça va piquer, quoi. Et puis Elaine est sur plus rien. Enfin, allez, qu'est-ce qu'il y a sinon sur la liste du festoche, hein, je crois, de fête. Pas fête anniversaire, hein, des petites fêtes Saint-Valentin. Et été, je crois. Voilà, ça c'est de la Noël, ça c'est juste des fêtes, et elles ont juste des costumes Saint-Valentin, mais elles sont pas spécialement là pour ça. Ça c'est de l'été, ça c'est Saint-Valentin de il y a 2 ans, Saint-Valentin de l'année passée, première Ascoula, là c'est de l'été aussi, de l'été, du haut festif de haut, je sais plus pourquoi. Et alors la Diane de plage aussi, on peut dire que c'est l'été. Voilà, bon, si vous les avez pas, pourquoi pas. Ils aiment bien remettre les trucs d'été. Aucun n'est vraiment utile ni intéressant. Même Merascoula, on peut s'en passer pour. Non, mais c'est juste pour mettre la Merline. Regardez, il y a encore la Merline bleue. Encore, il y a ça, la Merline bleue qui, après 2 attaques, vous empêche d'attaquer. Et regardez, vous avez du mal avec l'originel en Armitian, il y a Diane rouge. Voilà. Puis Zanelli pour Belmoth, éventuellement. Voilà. Sinon, voilà. Merascoula, si vous l'avez pas pour le cerf, mais il y en a d'autres. Allez, c'est parti, on va voir combien de gemmes je vais devoir claquer pour l'avoir. La moyenne des 150, faut espérer que tu restes dans les 150. Pour l'instant, je cale sur les 220, entre 220 et 150.
Quand on l'a, on s'arrête, hein, on le poule pas 6-6. Oh hein, on vous a fait un éloge de ses capacités, donc c'est clairement qu'on va pas. On va pas oh, le ça sera pas le premier. Je sais pas, il se joue, on sait jamais. Oui, mais la branchette, non. Bon, bah, je me suis fait dégager, donc effectivement, je n'y crois pas. Oh 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 ça une fait, belle sur. Ça fait beaucoup de gris. Un triple Twigo. Il y a un double Simon aussi. Un double Simon. Allez. On y croit. Ah, une épée cassée, non. Mais maintenant il fait nuit. Décidément. Attention, je me fais dégager ou pas? Tu vois, oui. Si ce serait Escador Ultimate, oui, c'est cool, il fait nuit. C'est le seul moment où t'as envie qu'il fasse nuit. Oui, à la limite, ouais, t'espères voir du coup un soleil dans la nuit. Une lumière dans la nuit. Après, par contre, faut pas aller voir la lumière, sinon tu te fais clairement cramer la tête. Je me demande s'ils font pareil pour Maël. Quoi, un espèce d'aspect. Le soleil dans la nuit. La même chose, il fait de nouveau noir avec les PPT. Un malentendu, je vais pas encore me refaire dégager quand même. Ah, j'ai pas été dégagé ce coup-ci. Mais j'ai quand même rien eu. Bon, c'est mal barre. Bon, on est pas en 150, hein. Non, mais je veux dire, là, pas nécessaire. Non, bah en même temps, avant, j'en ai jamais eu non plus. J'ai eu juste deux escanneurs après, c'est là, c'est ah, ah, ah. Lost Veil. Non, une seule. C'est laissé aller. Ah, sur escanneur, j'ai eu deux fois deux persos. Deux fois pas les bons, et puis c'était le bon. Non, non, escanneur, il nous troll. Merci, Yush. Je laisse aller Lost Veil une fois. Comme d'hab. Juste pour le petit bruit, là, de l'explosion. Ouais, c'est clairement un seul. Aïe. Alors. Quand tu vois la flamme qui se prend, tu vois une flamme qui s'est bien cramée la tronche. Oh. Ah, y'a peut-être un craquage. Il est loin. J'ai pas vu où il était. Il est après le 6ème. Ah, je vais me faire mal. Le 7ème ou le 8ème. Ah, c'est bon, c'est vachement plus lumineux qu'avant. C'est vachement plus lumineux qu'avant, c'est moi. C'est toi parce que. Ah, par contre, c'est plus rapide, hein. D'habitude, j'étais obligé d'attendre que les jeunes apparaissent. Ah, bah, c'est ma scoula de la Saint-Valentin. Bon, bah. Elle était pas full, c'est pas encore trop ah, loin. Voilà, tu peux skip. Voilà. C'est déjà ça. C'est la seule Jedi qui servait éventuellement encore. Dans la liste. Alors. Oula, du non. Coup, il refait nuit. Je me suis pas fait dégager. Mais ça n'a pas suffi. Alors, attends, on en est où là? Ah, 150. Bon, c'est bah, on passe le cap là. C'est pas foufou. Hein. Techniquement, pour rester dans la moyenne, dans les deux poules qui viennent, il faudrait qu'ils tombent. Oh non. Ah, ça a cligné des yeux, ça a cligné des yeux. Un malentendu, moi j'y. Un malentendu. Ah, ah, ah. Non. Non. La vache, il y a même pas beaucoup de doré. Bah, cette fois-ci, tu as perdu ton cap du speedrun. Non, bah j'ai dit jusque 220, j'ai dit. Enfin, 210. C'était passé 210, c'était ma limite de moyenne. Je crois bien que ça va être là, quoi. On va peut-être la passer, là. Ah, pas dégagé, nous. Nope. Ah bah. Ah, la moyenne chute. Enfin, ou augmente, je sais pas comment on peut parler de ça. J'utilise plus de gemmes qu'à l'habitude. Bah, ta bonne moyenne chute et le. Voilà. L'utilisation de gemmes augmente. Oh, décidément. Ouh là là. Même pas c'est une animation. Même pas une animation, rien quoi. Ah, là, je me fais dégager. Donc là, c'est oh certain, je sais même plus. Et alors, t'as un taux de drop de R monstrueux aujourd'hui, hein, je trouve. Ouais, c'est assez fou. C'est même pas des SR, c'est des R, toi, que t'as. Sachant que le King est doublé hein, par rapport aux autres persos. Ah bon? Tu ouais, lui as dit pareil. Ah maybe. Bon, un. Eh non. Zut. Ça sent 600, hein. On va voir. Ouais, parce que ça fait déjà deux SSR qui auraient dû être doublés, et malheureusement. Allez, ouais, on y pense aux 300. En vrai, on l'espère. Ah, peut-être là. Un gros malentendu sur ce coup-là. Allez, moi j'y crois. Non, non plus. Attends, alors, les 300. J'avoue que en gris, c'est la folie là. Attention! Nya! Va te faire foutre! C'est pas foufou, hein. Non. Là, aujourd'hui, on va aller à fond. Oh lolo. On va aller à fond de 6, tu vas voir. Là, on rattrape directement avec la nuit et la branchette, hein, histoire de bien se redémarrer. C'est pas mal. La nuit, la pluie, la branchette, en plus, il y a de la boue. je glisse dans la boue et il m'écrase avec son poing. On m'a dit.
Merde quoi. Et lui il a les cheveux d'Escanor, oh putain. Et lui il fait un cruel scène. Oh là là. Sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? La branchette et la nuit deux fois de suite. Ils ont, ah, ils ont dégagé. Ils ont détecté que t'as eu trop de luxe ces derniers temps. Ouais. Putain la vache, en plus j'ai jamais que... J'ai eu quoi, max 3 dorés je crois sur les poules pourries. Alors autant il a eu de la luck les 3 dernières bannières, autant là il se fait... Autant en plus ils étaient assez intéressants, utiles les autres, mais putain encore une fois les branchettes et la nuit. C'est pas gagné. Ça va être les 600. Bah là, c'est vraiment la bouse. Oh en plus là, je me fais dégager. Bonsoir. Bonsoir Kicker. Ah, bah tiens, je me plaignais pas avoir assez de doré, là d'un coup, vlan, on m'en balance 6. Oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Non, effectivement. Alors, je me plains de pas avoir assez d'SSR. Balance-moi 3 là maintenant tout de suite. Un Escanor, on n'en parle plus. Et une rouge, elle est rouge, elle est rouge. Ah, une épée, les yeux qui clignent. C'est un full counter. Non. Non. En plus, je me fais jarter, quoi. Merci, le jeu. Alors là, t'avais la boue et en plus, la merde de chien. Zip. J'ai d'abord marché dans la merde de chien, en levant mon pied, j'ai glissé dans la boue. Et je suis tombé le nez dans celle que j'avais marché juste avant. Bon, il fait jour maintenant. C'est mieux ou c'est pas mieux? Bon, et si on appelait Scanner? Ouais, ce serait bien. Ah, j'ai pas été éjecté. Oh là là. Oh la vache, j'en ai eu deux. Taux de bombe nécessaire. Oh, chiotte. Le 300 ne compte pas, hein, donc j'en ai eu deux là pour l'instant. Oh, là, je sais là, pas s'ils sont... Là, ils sont abusés, là, les... Alors... C'est du foutage de gueule, là. Oh là là. Putain, je pourrais au moins avoir un truc, quoi. Une animation. La dernière fois que j'ai eu cette sensation-là, c'était pendant la collab de Tri-Zero. Je me fais clairement dégommer. Y'a même pas la chance de te dire, tiens, peut-être que... Bon, on va aller à 600, hein, écoute, c'est clair et net. En même temps, si je suis à 570, bah je ferai 6, hein, bon. Oui, bah. Oh, dis. Y'a pas Tarmiel sur la bannière qui fait... Ouais. Putain, on va... Ah, j'ai pas été dégagé. Putain, on va refaire les poules où dès qu'on n'a pas nécessaire, on boit une gorgée. Wow. Moi, c'était plaisant. Ah non, là, tu es par terre, là. On fait pas, je suis désolé. Moi, c'était rigolo. On faisait quand on en avait, justement, c'était mieux. Quand j'avais pas de chance, j'avais au moins un dédommagement. Putain, c'est déconné, là. Ouais, mais là, c'est pas de chance du tout. Wow, deux SSR sur un, pass... sur un total de 600. Bienvenue dans ma vie. Oh, là, c'est abusé. C'est abusé. Le titre de la vidéo, la bannière de l'ennui. Bah de l'ennui, non, parce que on parle quand même, on n'est pas en train de dormir. Mais... Ah non, mais niveau pull. La bannière du vol, ouais. Tiens, ça va être maintenant, j'en avoir un. Tiens, si je l'ai maintenant, avant à 570, c'est du foutage de gueule. Regarde bien, regarde bien, il va être là. Il va tomber maintenant à 570, j'en suis sûr. Bah on va voir tout de suite. Ouais, je sais pas une animation. Bon, ça reste le même, c'est comme tu veux. Oh, attention au point, j'en suis. Oh, y'a plusieurs teams qui sont utilisés pour le haut. On va en montrer celle qui score le mieux. Oui. Et celle que tu fais en auto aussi. Oh, mais... Ah, bah c'est le first. Non, c'est. Ah non, c'est le dernier, putain. Enfin, il est à la fin. Ouais, bah tu sais quoi, fuck. c'est même pas lui. Oh la vache. Putain, 3 SSR avec lui en taux doublé et je l'ai même pas. C'est ignoble. Allez, il drop là maintenant, arrête pour te troller. Rien que pour me troller, il va tomber maintenant. Non, même pas. Avec la branche, c'était la nuit, j'y crois pas beaucoup. Oh la vache, quelle horreur. Eh ben, c'était nu. Oh, 600 gemmes pour 3 SSR qui ne me servent Allez, absolument 4, à rien. 4. Parce que t'as eu 300. Donc 4. Oh, 300, il compte pas, il est dans la liste. Non, il mettrait 4. Pas le 300, on serait pareil. C'est Ah, c'est ignoble. Ah, ça fait mal au cul. Je crois qu'on vous l'a pas assez bien vendu. Du coup, le jeu nous a dit « Ah, tu le veux pas, mon perso ?» Bah, tu l'auras pas. Bon. Prochaine fois, je vais le survendre. Chef ! Le petit gars, là, il a dit qu'il était pourri. Comment ? Bah, il l'aura pas. Il le veut ? Bah, il ira le chercher à fond, hein, c'est tout. Voilà. Bon, bah voilà. Et pouf. Combien de gènes ? 1800. Bah, un peu diminué tout ça. Ouais, qu'il aille au fond. Hein. On va le faire un petit 1200, là. Il a plus poulet depuis longtemps, il a eu trop de chance. Et en plus, on va faire un bug. À la fin, il va dropper un verre, mais c'est pas celui qui croit. C'est dégueulasse. Comment ça, c'est le King Vert d'origine? Bah attends, j'ai au moins l'ultime Miraskula que je peux augmenter, je crois. Yeah. C'est déjà ça. Alors, on va satisfaire des petites choses, hein. Bah, t'as Zanelli, t'as... Bon, je crois que Zanelli est... Bon, en fait, t'as un truc pour voir si les ultis que t'as pas. Ouais, juste. Ouais, bah, en même temps, je sais où ils sont. T'as Hélène Rouge et Zanelli, donc... Ils sont que 100, donc... Enfin, que 100, c'est le maximum, tu me diras. Voilà, elle est là. Bah, à mon avis, elle est full, comme elle est là. Bah, vu qu'il ne t'invite bah, pas... Bah, oui. Zanelli, je suis exactement sûr qu'elle est full, aussi.
depuis le temps qu'elle existe. Ah oui, il est bien, le jeu. Elle doit être par là. Ah non. Il est sympa, le jeu. Elle doit être vers le haut. Tiens, t'as un doublon pour Skadi, là, ou... Non, je crois que c'est pour sa relique. Oh. Ouais. Je sais pas, j'ai une relique, un perso que je joue pas. Ça fait 10 points de GP. Ouais, bah, je les mets sur des persos que je joue. Ouais, mais si t'as tout mis à un moment... Bah non, j'ai pas encore tout mis. C'était quoi, j'avais dit Zanelli verte. Enfin, en même temps, y a que la verte. Elle est où? Là, juste là. Oui, là. Ça m'aide beaucoup, ça. Le mec, il est là sur l'écran. Tu descends là, tout là. Droit de plus bas. Là. Au milieu. T'aurais pu me dire mieux. Ah, bah non, j'ai. Mais tout pas. Droit. C'est quand même. Ah, bah voilà, maintenant elle est full. Ouais, youpi. T'auras un petit message sur le chat général pour dire bravo, vous avez réussi. Voilà. J'ai eu un message sur le chat global mondial où j'ai mis que j'ai amélioré Zanelli voilà. Au maximum. Il y aura un deuxième message pour dire il a quand même été claqué 600 gemmes, le petit trou de pays. C'est pas écrit, mais. Ça va arriver, ça, un jour, ça va arriver. Augmentons ce niveau et voyons, sans déblocage de compétences, si on affronte des loups. Ou des sucres, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on va affronter. Des loups sucrés. Des loups sucrés. Des bon, loups... On affronte bien des loups de glace à Ragnarok. C'est des loups diabétiques. Il se fout de ma gueule, en plus. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, genre, t'as vu, t'as mis 600 gemmes pour m'avoir. Tu parles comme un certain Tarmiel qui avait popé au dernier poulet qui t'avait regardé. Voilà, t'as vu la différence entre le nounours vert de base et le l'ours en guimauve t'as après. Enfin, en miel, je dirais. Ah, c'est très guimauve. Putain, il a l'air méga collant, quoi. Putain, la vache, rien qu'à le regarder, directement, j'ai des caries. Je déconne. Putain, il a l'air tellement en sucre. Mais à fond. En fait, son attaque spéciale, c'est diabète. Tu le touches, t'as trop de sucre dans le sang, c'est fini. Tu prends pas vite une piqûre d'insuline ou t'as pas un dispel, hop, tu perds des vies à chaque tour. Ben... Ah, je l'ai pas encore. Ah, j'ai pas encore CCC. Peut-être que ta capacité taux de sel pourra te permettre de résister à ce sucre. On sait jamais. Bon, hop, full, hein, j'en ai 59 en même temps. Faudrait 50 nouveaux persos pour j'utilise tous. Ce qui est impossible. Il m'énerve avec son rire. J'ai vraiment l'impression qu'il se fout de ma gueule. En même temps, il aurait raison. C'est un peu ça, oui. Bon, je fais toujours l'éveil du premier, parce que bon, je l'ai au moins en premier. T'as été un gentil garçon, t'as claqué 600 jeux pour rien me chercher. Regardez-le, là, lui. T'as même Nelson, là. Ce serait encore moins 1 million. T'as, il m'énerve. Il m'énerve. Bon, alors, t'as quoi? Allez, 20 000 sur... Allez, hop, t'y vas tout nu, tiens. Rien pour te punir. Ouais, directement, il tire la gueule. Et moi j'ai pas le droit de tirer la gueule, mais lui il tire la gueule. Que pouvons-nous faire? C'est vrai qu'à la limite, il est en sucre, mais il a une tête, tu le mettrais dans un film d'horreur. Ah, en même temps, il y a le fameux Winnie l'ourson, là, en film d'horreur, il est sorti, hein, d'Amérique. C'est pareil, il met beaucoup de controverses. Bah, il y en a beaucoup qui aiment bien, après, bah, si tu te bases sur Winnie l'ourson, effectivement, c'est clairement pas ça. C'est bientôt la fête des amoureux. Il pensait avouer sentiment à Diane. Putain, on est super loin d'où on est dans les chapitres, en fait. On regardera Biron de cocaïne. J'ai juste préparé une nouvelle tenue pour l'occasion. Oh bah mon gars, si t'as envie de passer pour un bambin devant elle, effectivement, ça marche. J'avais dit qu'il voulait lécher une sucette. Ouais, c'est un gros Haribo. Enfin, merde, on a dit une pub. C'est vrai que t'as Diane qui est habillée en sucette. M&M's, Smarties. Voilà, j'en ai dit trois. On peut pas, c'est de la pub. Bah oui, je l'ai dit, du coup, j'en ai dit deux autres. C'est Harry Pabo. C'est bon, la vie. Quelque chose de sucré. J'ai mon ours. Mais Ban n'est pas là, mais enfin. C'est Ban le sucré. Ban le sucré. Sweetie Ban. Ma sœur a dit que Ban est très très sucré, mais je sais pas pourquoi. Il était très subite. Te laisser faire, Elisabeth. Mais t'es juste. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ça part mal. Qu'est-ce que tu vas me faire? Elle n'est pas réputée pour sa. Ah oui, cousine. Elle veut cuisiner. Ah non, c'est. Bah aussi bien que Meliodas, hein, ils font un bon couple en même temps. Ah, est-ce qu'il a recette? Ah, la lettre. Non. C'est pas. C'est encore pire. On va mourir. Ah, j'ai peur. Parce qu'en général, oui, quand tu suis la recette à la lettre, c'est pas mal, mais c'est pas. Tu fais rien d'exceptionnel. Bah bizarrement, même quand ils suivent la recette à la lettre, ils arrivent à la. Ah bah regarde, tu rigoles, mais on va aller chasser des bonbons. Tu sais, les petits bonhommes en pain d'épices, là. Ah putain, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça pour le bonhomme d'épices. Mais... Je sais pas non plus. Fais ce que tu veux de ta vie. Petit biscuit. Ah bah voilà, petit biscuit. Ok, je fais vite. Je vais faire et vite. Et il ne revint jamais.
Ad King aux nouvelles aides peut afficher de gros dégâts aux ennemis qui souffrent de malus. Ouais, mais merci. Pouvez-vous nous définir le terme gros? Bah, c'est un gros chiffre. Pas pour ça qu'il a beaucoup de numéros. Mais... Oh, d'accord. Bonbons étoilés. Des bonbons étoilés dans Sauvage, dans la Pampa. Trois staris sauvages apparaissent. Il est quand même bizarre ce monde. Si tu te balades dehors et que tu trouves des bonbons qui ressemblent à ça et qui sont en train de sauter partout. En même temps, regarde son ours, quoi. Mais j'adore parce qu'en plus, il est transparent, quoi. Tu vois le sol à travers, j'avais pas vu. Translucide. Oui, translucide, effectivement. Autant pour moi. Pour une fois, tu me reprends pour quelque chose. Je pourrais le faire plein de fois, mais moi, au moins... je fais ça avec politesse et charisme. Oh purée. En plus, après, il fait... Regarde. Fait... Tiens, j'ai un cadeau. Tadam. Ah non, il est timide. J'ai pas vu. Non, crois... il voit qu'il a merdé. Je sais pas, je crois qu'il se cache dans genre... Oh non. Bah tu vas pouvoir faire... Bah en fait, je vais... Malusser le dernier, je vais faire un gros faiblesse sur tout le monde. Ouais, comme ça on va voir l'animation de face parce que ouais. De dos, c'est pas foufou. Bah en fait, on a pas encore ah vu... Ah non, mais gardez... Ah, je t'aurais dit de garder l'autre pour avoir un rang 2, comme ça on aurait vu de face à quoi ça ressemblait. Bah là, on aura le rang 3. Oui, c'est pas ça. C'est... Bah on va avoir le rang 3, c'est bien. C'est bien. Normalement, il va les défoncer, d'ailleurs. Oh, un peu de son. Ou c'est moi? Bah y'a que toi. Ah! Ça en baissant mon bras, j'ai fait tourner la roulette de mon... Waouh, j'ai pas le temps de voir, j'ai regardé la roulette de mon truc. Attends, je vais regarder sur le retour. Oh, j'avoue, quand tu le regardes de face, il est un peu flippant en fait. L'ours, parce qu'il peut que sourire. Du coup, tu sais pas du tout ce qu'il pense. Enfin, ce qu'il limite, pense, tu mets un masque de ça sur la tête de l'ours. J'ai trouvé... Bah, t'as trouvé des étoiles en même temps. Ouais, on peut le remettre après, et même le lancer pour faire des animations dans le truc. On va aller regarder vite fait. Cette quantité devrait suffire, genre 3 étoiles. Ben, fallait pas grand chose. Hein. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai senti comme un trouble dans la cuisine. A few moments later. C'est fini. T'as la tête du gâteau qui penche à droite, il dégouline. Certaines instructions étaient un peu vagues. Aïe. J'ai fait de mon mieux. Un peu vague. Qu'est-ce qu'il y a de vague? Non, ouais, non. Monter les œufs en neige. Oh, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas de neige, j'ai que des œufs. Rajouter du sel. Ah, oh, c'est trop vague. Oh, là, ça va. Ils ont l'air. Ouais. Vous voyez, les plats de Miladias aussi ont toujours l'air bon. Pfiou. C'est quoi ce pfiou? Ah oui. Bien trop. Ça va pas. Ça va, il a pas vomi des arcs-en-ciel. J'adore, est-ce que c'est trop sucré? Genre, elle sait très bien où est le problème en une fait. Une cuillère de bonbons décoratifs, mais il existe. Oh, tant de types de cuillère, t'as la fille après une louche. Oh là là. La cuillère de Diane, tu sais, elle venait de manger son repas. Ah bah voilà, une cuillère à soupe. Ah bah voilà, ouais, bon. Mais quoi, la cuillère à soupe de bonne? Non, ça ira. Je vais acheter un petit quelque chose au marché et puis c'est tout. Et merci. Et qu'est-ce que tu vas acheter? Ça servit à rien, mais c'est cool. Genre beaucoup de café pour diluer tout ça. À mettre un peu de sel. Eh, c'est tout petit en plus, ce machin, quoi. Oh. Si je réessayais. Allez, goûte, tu vas voir. Regarde comme elle tire. Oh, comme elle est triste, quoi. Elle reviendra l'année le prochaine. Salaud. Elle reviendra l'année prochaine. Ouais, avec, ouais, voilà. Avec des nouveautés encore pire. Goûtez mes bonbons. Non, 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 non. Wow. Mais je vois bien la grosse cuillère de Diane quand elle mange en géante, quoi. Attends, c'est une cuillère. Genre la pelle à pizza. Ça me rappelle le moment d'Escanor dans le film quand il faisait comme ça. Laissez, ah oui. Je suis le protecteur de Merlin. Je vais goûter cette tourte. Il vomit des arcs-en-ciel. Il y a de l'arc-en-ciel partout, il y en a partout sur Meliodas et sur Hawk. C'est là que tu dis, ah bah ça devait être violent quand même. Et on vous le spoil pas, c'est dans le chapitre du film avec Bélion d'ailleurs. Ouais. Donc si vous l'avez pas fait, allez le voir. Bon bah attends, on va aller voir de face ça que ça raconte quand même. Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais plus. Ah, tu cliques sur une capacité et puis on va déjà lui donner de la bière. Ah, on a un autre skin. Il y a de la bière en nounours. Oh, c'est vrai, ça a l'air bizarre. Bah nounours sans pas d'épices. Il sera peut-être moins flippant. Ils se font encore de la gueule. Hein. Waouh, tu as gagné une gemme sur les 600 que tu as claqué. Oui. Plus que 599 à me faire rembourser. On va voir le skin de ce machin là. Ouais, voyons voir ça.
En même temps, c'est bien, ça fait double skin pour celui que j'ai jamais joué. Et là, ding 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 ding. Attention. Je le trouve moins moins flippant. Je vais mettre ça, tiens. Oh, il perd des... T'as vu, il perd des gouttes. Il fond. Alors, ouais, du coup, si tu fais un cruel son, le nounours, il disparaît. Il est tout fondu. Bah, t'aurais une couche sur le sol. Et l'eau, tu le caramélises, du coup. Il devient tout... dégueulasse, ma phrase, il devient tout dur. Je ne sais plus comment on faisait. Je disais, tu vas sur une compétence. Ah oui, c'est vrai. Et puis tu fais aperçu. C'est ça. On va un petit peu voir ce que ça ressemble avec une animation. Bon, tiens, fais-le, je vais me verser à boire. Vas-y. Déjà, j'ai fait en foot partout quand je l'ai ouverte, celle-là. Attends, on va remettre ça. Ah non, tu vois, c'est timide. Il offre le cadeau, puis après, il est tout gêné. Là, il chope un truc, il roule et blanc. Ok, super. Pas doué. Bah voilà. Et l'ulti, je pense pas qu'il y a beaucoup de changements. Donc, non, je pense pas. Faut toujours la mettre, allez, vas-y. Pour dire deux. Moi, est-ce que t'as pas la chastifold? Ah, il y a un petit bug, j'ai fait un morceau de chocolat voler. Il y avait un petit bout de chocolat dans le ciel. Enfin voilà, comme ça vous avez vu. Comme ça on a vu l'animation en rang 3. Et ainsi s'achève la démonstration de King. Bah, on vous retrouve tout de suite pour la suite. Ainsi s'achève ce vol, moi je dis. Ce vol pur et simple de gemmes.